Bonjour à tous. Donc je reviens cette fois-ci pour faire quelques petits commentaires sur l'essai du BMC après deux sorties dont la caractéristique récurrente c'était le terrain qui était sablonneux, poussiéreux, très 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 sec. Je crois que j'ai pas vu une goutte d'eau. Donc petit bilan rapide. Donc j'étais parti avec pas mal d'air dans les pneus parce qu'il me manquait un peu de liquide préventif et ça dégonflait légèrement. Donc je suis parti avec 2,2 kg et ça secoue. Alors très très agréable bien sûr sur les parties roulantes, mais ça secoue franchement sur les parties un peu plus abîmées. Donc conseil à passer sur du 1,8 kg derrière et 1,7 kg 6 devant pour gagner du confort. La fourche comportement parfait, filtre les petits et encaisse les gros chocs. Donc que du bonheur, le blocage très très facile à utiliser, le blocage électrique. Donc là on s'amuse de ça avec grand plaisir. La transmission RAS, c'est que du bonheur, ça passe en toutes circonstances et dans un confort absolu. Les braquets 34-40, donc je suis monté comme quand je montais avec 32-42 dans certaines parties un peu raides et un peu physiques et techniques. C'est passé. Bon, j'avais l'engouement pour l'essai du vélo, donc c'est passé. On verra plus dans la durée, dans le temps, si ces braquets sont un peu compliqués à amener, notamment sur des bosses plus longues et avec le même pourcentage de pente. Vélo léger, rendement exceptionnel, bon confort, hein, je pense, parce qu'il y a quand même pas mal de flex et ça filtre beaucoup, pardon, le cadre filtre beaucoup. Donc avec une bonne pression dans les pneus, style 1,7 kg devant, je vous dis 1,8 kg derrière, ça doit vraiment être un vélo très très agréable à rouler. Taille M, idéal pour mon 1,78 m, j'y tombe parfaitement dessus, on a envie de faire des kilomètres avec et ne plus s'arrêter de rouler. À tous, bon vélo et à très bientôt pour de prochaines vidéos.